Située en plein cœur du centre-ville d'Alma, la suite entrepreneuriale des Jardins a été inaugurée dans ses nouveaux locaux de la rue Sacré-Cœur. L'incubateur régional de la MRC Lac-Saint-Jean-Est accueille des entreprises en démarrage qui désirent se former et qui ont un plein potentiel de croissance. On les accompagne, on les aide, on met tout en place la structure qu'ils ont besoin pour vraiment bien démarrer leur entreprise et pour réussir par la suite à s'implanter dans le milieu de manière durable. Les premières entreprises incubées ont fait leur entrée dans la suite entrepreneuriale des Jardins grâce à un processus de sélection. Lux, c'est une compagnie en aérospatiale qui crée et qui opère des ballons de haute altitude pour de l'observation terrestre. Donc, ce qu'on fait, c'est essentiellement qu'on vend les images et l'information qu'on acquiert grâce à ces ballons à des compagnies pour opérer, pour optimiser leurs opérations sur le sol. Donc, on a fait notre premier lancement de ballon l'année passée, puis on en planifie d'autres dans la région pour la suite de l'année. Merci. Merci, Catherine. Bravo. Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Wally. Moi, je gosse du web depuis plus de 20 ans. Je suis impliqué dans le numérique de toutes sortes de façons. Mais aujourd'hui, j'ai mon chapeau de fondateur de MatrixWatch, qui est un outil de rapport marketing. Des rapports marketing, c'est quoi? Ben, en fait, chacun de vous, toutes les organisations, les entreprises ont besoin de savoir est-ce que leurs efforts marketing en ligne fonctionnent bien. Donc, n'importe quelle entreprise peut déposer sa candidature et il y a une sélection à tous les mois. Pourquoi je parle de sélection? C'est que c'est pas n'importe quelle entreprise qui peut dire « ben moi, je vais prendre un petit local là, je vais recevoir de l'aide ». Il y a quand même une sélection, un sérieux. Donc, on va vraiment aller chercher des entreprises qui ont la volonté de se développer, qui veulent mettre des efforts dans leur développement d'affaires pour bien réussir et qui ont un potentiel de croissance. Comment se fait la sélection? La sélection, on a un comité aviseur, donc on a Desjardins, on a le Collège d'Alma, on a aussi Forgescom, le service aux entreprises de la commission scolaire, qui est sur notre comité de sélection avec la CIDAL, bien entendu. Et on reçoit les entrepreneurs qui nous font un pitch. Donc, ils ont 15 minutes pour présenter leur projet, pour présenter l'avenir qu'ils voient pour leur entreprise, comment ils perçoivent leur développement, et un autre 15 minutes de questions, où est-ce que là, ils sont challengés sur leur modèle d'affaires, sur leur vision, sur le potentiel aussi économique, puis leur volonté d'apprendre et de grandir. Et ensuite, ben là, selon les places qu'on a disponibles, soit les gens peuvent être sélectionnés et dire « oui, c'est bon, on a une place, viens travailler à l'incubateur », ou encore on peut avoir une liste d'attente éventuellement dans quelques années. Bien, c'est ce qu'on espère finalement. Bien sûr, oui, oui, vraiment. Ouais! 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 Ouais!